se calme. Oh, je la vois, elle est là. Vite, 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 vite. Ha, ha, je l'ai. Je suis la plus rusée. Écoute mon émission, puis tu vas être aussi rusée que moi. Oh non! C'est l'émission la plus plate du monde. Ça parle juste d'affaires de filles. Allô, Chosepin? Tu tues le magasiné avec moi? Mais non! Faut que je parle chez le coiffeur. Oh, gossant! Jennifer, Julien. Mais là, c'est pas moi, c'est lui qui a commencé. Tu me traites de gossant? Mais parce que c'est la vérité. Maman, tu peux pas me punir parce que je dis la vérité. J'ai juste donné mon opinion sur son émission de poche. Faites un effort. Je suis certaine que vous êtes capable de vous entendre. Jennifer! Maman, on déconne, là, c'est correct. Non, viens voir. Moi aussi, je vois. Je viens de trouver notre nouvel appart. Wesh! On dirait une maison hantée. Julien, franchement, à cause de la déco des anciens locataires, mais là, nous, on va tout remettre ça au goût du jour. J'espère. Parce que ça, c'est le goût d'hier. Oh, oh! J'ai déjà l'impression que c'est notre chez nous. Hein, avec un peu de peinture, des nouveaux rideaux, ce serait super, on serait bien, hein? Le jour, vous allez être bien, mais la nuit, vous allez trembler de peur dans votre maison hantée. Les loups-garous, les fantômes, les morts-vivants, les zombies. Rien de nouveau? Non. Et du nouveau? Ben, c'est que ça fait même pas deux fractions de seconde que tu me demandes. Regarde, sur la page d'accueil de Face the Geek, ça dit « Les inscriptions auront lieu ce soir, quelque part, entre 16h30 et 22h30. » 22h30? Ben, c'est bien trop tard. Qu'est-ce qu'on va faire, là, si on a envie d'aller aux toilettes ou si on veut manger? Les deux. On peut se relayer. Oh! Es-tu en retenue? Pour quelle raison on sera en retenue? Nos devoirs sont déjà terminés jusqu'à la fin de l'étape et on est toujours les premiers rendus en cours. Oh, oh! Moi, je suis prise pour attendre que ma mère finisse ses corrections, mais vous autres, est-ce que vous êtes encore ici? Mais il n'y a pas de Wi-Fi partout entre chez nous et l'école, puis il faut être connecté en permanence. Oh, vous attendez le courriel d'une admiratrice? Pas en tout. Peut-être. Non. Et non, tu vas capoter, là, c'est malade, OK? Le site web Face de Geek ouvre ses portes virtuelles ce soir à 25 nouveaux membres. Puis qu'est-ce qui est malade là-dedans? Ben, si on réussit à s'inscrire, on sera plus juste des visiteurs virtuels. On va être des membres officiels virtuels, avec notre propre avatar. Comme le film? Ouh, je t'imagine bien la phase. Laisse faire. Bon, ben, en attendant l'ouverture des portes virtuelles, est-ce que je peux vérifier mes courriels sur votre ordi? Oh non, 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 faut rester connecté en permanence. Ça va prendre 2 secondes, mon téléphone, il est mort. Non, non. Francis! S'il vous plaît. Ça va lui prendre 2 secondes. Oh, puis as-tu vu la petite fenêtre dans ta chambre? On dirait un hublot de bateau. Ouais, pour un bateau, c'est cool, hein, mais pour une chambre, c'est pas un peu petit? Mais c'est original. Qu'est-ce qu'il y a, ma cocotte? Oh, rien, rien. Ah, ben c'est parce que j'ai entendu dire que ce quartier-là est pas génial. Puis il y a même pas d'école de yoga, hein, où tu vas travailler. Mais ça, c'est une bonne nouvelle. Aucune compétition en vue si j'ouvre ma propre école. C'est ça qui te tracasse. Inquiète-toi pas parce que je vais me trouver du travail comme ça. Puis en plus, pour cet appartement-là, là, j'ai déjà l'argent pour payer les 3 premiers mois. On devrait peut-être attendre encore un peu. Oh, mais on a déjà tellement attendu. Hein, ça nous prend notre place à nous, puis on a tellement de temps à rattraper tous les deux. Rien, zéro message. Merci. Puis? C'est pas vrai. Ben, est-ce que je peux voir les autres photos? J'ai même pas encore vu ta chambre. Ah, oui, non, ça, c'est la seule chambre. Moi, ma chambre, ça va être dans le salon. Tu vas dormir dans le salon? Oui, ben, c'est une pièce double. Hein? On va la séparer avec un beau rideau. Mieux que ça, un paravent asiatique. T'as toujours trouvé ça beau? Bon. Qui t'appelle? Ben, le proprio. Mais il est peut-être en train de souper, hein? On va voir l'air impoli. Oui! Oui, bonjour. Oui, j'appelle à propos de l'appartement à louer. Oui, le demi-sous-sol, c'est ça. Est-ce qu'il est encore disponible? Oh oui, Francis, là, qu'est-ce qu'il y a? Les portes virtuelles sont ouvertes il y a 30 secondes et les 25 places sont comblées. Tu me niaises. Ça veut dire qu'on n'aura jamais notre avatar? Oh! Oups. Mais de toute façon, le bleu avatar, c'est pas dans votre palette.
Oui, oui, je comprends. Très bien, merci. Ouais, les appartements se louent vite ici, hein? Non, c'est pas grave, on va en trouver un autre. C'est pas grave, certain, parce qu'il est libre! Ouh! On va aller le visiter demain. On pourrait même aménager en fin de semaine. Oh, oh! Audrey, là, ça fait 10 minutes que t'essayes. Ça va marcher. Il faut juste peser sur rafraîchir et... Désolée, ramenez l'an prochain. Bon, ben moi, je rentre chez nous, OK? Je perdrai pas toute ma soirée. Ciao! Bastien et Francis, je m'excuse pour vrai. Tu l'as déjà dit, ça changera rien. Ben, Bastien, attends, regarde, il y a toujours une autre option. Il y a une autre option. Allô, ça vous tentait pas de me le dire avant que je me sente aussi mal? Selon la convention de face de geek, si tu réussis un exploit geek, ben, tu peux te mériter le statut de membre officiel. Ouais, mais il y a genre une personne sur 1000 qui est acceptée. Mais là, on n'a rien à perdre. Ils vont vous accepter. Vous avez juste envoyé une photo de vous. On le voit tout de suite que vous êtes hot. Hot? Pour vrai? Ben, c'est sûr qu'on est assez intelligent pour remplacer la moitié de nos profs. Occupe-toi, occupe-toi d'envoyer nos CV aux administrateurs du site. Puis moi, je m'occupe de trouver un exploit geek. OK, OK, ils vont capoter. Fait que... C'est vrai que tu... Ben... Que tu nous trouves hot? Oui! Ben, si t'as tente, tu sais, je sais pas... Si tu veux, on pourrait... Ah, oh, enfin, Hugo m'a répondu. Excuse, qu'est-ce que tu disais? Bien. Merci. J'ai demandé à ta mère de dormir dans le salon pour faire semblant qu'elle est déjà dans sa maison hantée. Puis ma mère a dit oui. Personne ne peut dire non à ça. Hey, je veux vraiment pas déménager là-bas. Je partirai pas. Tu vas voir, j'ai un plan. Jennifer, pas tu pars. Attends, Brigitte, pas tu pars. Pas Julien? Tu pars. Qu'est-ce que tu fais? Julien? Maman, faut pas que tu le réveilles. Julien, il est somnambule. Ouais, je suis somnambule. C'est dans l'éléphant d'auto. Oh, ouais, tout. Oh, c'est bon, d'auto. Oui, Vita, Vita. Je t'aime, ma tante Brigitte. Oh. Julien, encore? Non, 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 maman, c'est moi, je me prends un verre d'eau. Ah, OK. En veux-tu un, maman? Non, je te remercie, ma chouette, là. Va te recoucher. OK. Hein? Ah. Oh. Voyons. Marie, qu'est-ce qui se passe? Excuse-moi, c'est juste que j'ai entendu du bruit, puis je pense qu'il y a un raton laveur qui fouille dans nos poubelles. Non, c'est pas des ratons, c'est nos enfants. Non. Oh, oh, pardon! Excuse-moi, excuse-moi. Je suis désolée. Bonne nuit, là. Bien dormi dans ma chambre. Puis toi, maman, as-tu passé une belle nuit dans le salon? Ben, la nuit dernière m'a surtout prouvé une chose. Ouais, que c'est pas le fun de pas avoir de chambre, hein? Hey, ça va un peu, là. Non, surtout que c'est pas le fun qu'on ait pas encore notre place à nous. Hein, prends-le pas mal, Julien, là, c'est pas juste toi. Il y a eu ta mère aussi, ton frère. Quoique ça, je me demande si je l'ai pas rêvé. En tout cas, tout le monde est venu faire son petit tour dans le salon, l'enfer. Oh, mais t'as pas changé d'idée pour l'appartement? Oh, ben non, au contraire. Pendant la journée, toute la famille va pouvoir venir nous voir. Mais pendant la nuit, on va être tranquille. Juste nous deux, hein? Oui, 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 mais je me suis levée, moi, cette nuit, hein, puis j'ai fait du bruit. Puis je vais en faire aussi dans notre prochain appartement. Mais toi, tu me déranges jamais, ma chouette. Bon, là, je vais aller prendre ma douche. Oh, oh! Avant que toute la ménagerie se lève. Oui, oui, mais si, t'as coup, en visitant l'appartement, on découvre que le tapis est plein de moisissures. Ben, on l'arrachera. OK, mais si autre chose, hein, si on se rend compte que l'appartement est pas pour nous, on va vraiment être déçus. On devrait peut-être attendre encore un peu, hein? C'est normal d'être anxieuse avant un déménagement. Inquiète-toi pas. Tout va bien aller, tu vas voir. Julien? Julien? Julien! Ouh!
Est-ce que les geeks vous ont contacté? C'est quoi ça? Ben, c'est le signe de Star Trek. C'est Geek Star Trek. Oui, oui, ils nous ont contactés. Puis, ils vous demandent de faire un exploit geek? Pas tout à fait, non. Je pense qu'on est des pros à cause de tes faux CV. J'ai rien écrit de faux, là. J'ai juste un peu embelli mon CV. Il a écrit qu'on est des experts en gaz noble naturel. Non, mais c'est vrai. À ma fête, on a trouvé une quantité idéale d'hélium à mettre dans les ballons pour qu'ils restent gonflés toute la journée. Hein, qu'ils fassent 30 ou moins 30 degrés Celsius. 30 ou moins 30, coudonc, c'est quand ta fête? À cause de nos CV embellis, Face de Geek nous demande plus de réaliser un exploit geek. C'est maintenant rendu un exploit méga geek. Oh! Refusez. Dites que ça vous intéresse plus, ils vont ramper à vos pieds. C'est un site web sur la psychologie inversée. Il paraît que ça marche à tout coup. Tout le monde connaît ça, de la psychologie inversée. Dis, mettons que je veux la nouvelle calculatrice à Bastien, mais je lui dis que je la veux pas, parce que c'est un modèle pour vieux mon oncle. Ouais, puis moi, pour lui prouver qu'il a tort, je lui donne ma calculatrice. Oui, mais on peut aussi utiliser la psychologie inversée pour des trucs cool, pas juste des calculatrices. Je vais m'en servir pour convaincre Hugo de faire plus souvent des activités que je propose. Ouais, mais la psychologie inversée, là, c'est un truc de grand-mère. C'est même pas efficace sur les singes. Oh, mais peut-être, tu sais, avec Hugo, manière de parler. Ben, avez-vous quelque chose de mieux à proposer? Ben oui! J'ai déjà trouvé notre exploit geek! C'est une éolienne portative. Ça sert à recharger les batteries d'auto. On dirait plus une cour à scrap portative. Et je l'ai faite dans le noir, hein? Quand j'allume ma lumière la nuit, ma mère s'en rend compte et elle m'interdit de travailler. Ça marche? Ben oui! On va le tester ce midi sur notre scooter. Hey, salut! Puis, t'as bien été à l'école ce matin? Ouf, bien ordinaire. Regarde, ta mère nous a fait sa fameuse lasagne spéciale bri-bri. Ça va te remettre sur le piton, ça, hein? Ma mère, elle est pas là? Non, en fait, je sais pas où ce qu'elle est. Mais, j'ai su que vous aviez peut-être trouvé un appartement. Quand tu vends des maisons, là, est-ce que ça arrive des fois que les enfants veulent pas déménager? Oh, souvent. Puis les parents achètent quand même les maisons. Ça dépend. Dans ton histoire, là, est-ce que tu sais pourquoi les enfants veulent pas déménager? Oui. Mettons que la maison est vraiment trop petite, puis dans un quartier vraiment poche. Puis surtout que, les enfants aiment ça vivre chez leur tante avec leur cousin. Ah, je vois. Mais ils veulent pas faire de la peine à leur mère, ça fait qu'ils veulent pas lui en parler. OK, je comprends. Je vais voir ce que je peux faire pour ces enfants-là. Tu sais que tu peux me faire confiance, hein? J'ai des visites de maison cet après-midi, mais ce soir, quand je reviens, je m'en occupe. Mais il faut pas que ma mère sache que je t'ai dit ça, hein? Tu m'as dit quoi? C'est méga nul. La batterie de scooter est complètement vide. Mais il y a quand même eu un échange de courant, hein? Sinon, comment t'expliques que j'ai eu un choc électrique? C'est digne d'un Darwin Award. Un award? Un prix, c'est cool! Pas les Darwin. C'est des prix qui sont remis à ceux qui font des trucs tellement stupides que soit ils meurent ou ils deviennent complètement stériles. Mais la sélection naturelle. C'est de l'humour de geek. Herc, on dirait les machines aiguës de la café. Oui, mais il est super bon. C'est ma mère qui l'a fait. Je devrais pas être pognée pour manger ça. Oh, tu capotes. Oh, tu pensais m'avoir, hein? Je te l'ai dit, la psychologie inversée, c'est pour les nuls. Ou les singes. Ah, oh, Francis. Hey! Mais j'ai encore faim. Merci. L'éolienne, c'était nul. Si j'avais pu allumer la lumière de ma chambre aussi, au lieu de m'éclairer avec la lune... La lune? C'est génial! On va se construire une fusée. Sérieux? C'est pas une joke de geek. Ben non, au Lab des sciences, il y a plein de choses pour en construire. Oui, oui, oui. Puis il y a tellement de possibilités. Ah, on peut faire une fusée à l'air. Non, non, à l'eau. Une fusée à l'eau. À l'eau, les gars, vous virez sur le top. Oui, elle va décoller, elle va... Allô? Oh, allô, ma cocotte. Viens. J'ai une grande nouvelle à t'annoncer au sujet de l'appart. Ah, t'as déjà parlé à Marie? Non, pourquoi? Ah, pour rien.
Tu sais, ce matin, là, quand tu m'as dit que l'appart serait peut-être pas pour nous autres, puis qu'on serait peut-être déçus en le visitant. Mm-hmm. La dernière chose que je veux, c'est te décevoir. Ça fait que je suis allée le visiter ce midi, moi-même. Hein, je me suis dit, au pire, s'il est laid, il y a juste moi qui vais être déçue. Et puis? Eh bien, j'ai pas été déçue. Je l'ai loué. Tu m'as pas attendue. Mais je voulais te faire une surprise. Ça veut dire que je verrai même pas l'appartement avant qu'on déménage dedans? Mais là, le plus le fun est à venir. Tu vas pouvoir choisir la couleur de peinture pour ta chambre. Ça sert à rien. T'as déjà tout décidé. Mais je pensais que tu serais contente de pas avoir à te taper les détails plates de la signature du bail. Puis mon opinion, ça aussi, c'est un détail. Jamais tu me demandes jamais mon avis avant de te décider ma vie. Une journée, j'habite à Rimouski, puis là, le lendemain, j'apprends que je m'en viens vivre ici. Je m'installe, tu débarques, puis là, je repars vivre ailleurs dans un appart que j'ai jamais vu. Mais cocotte... Mais vivre avec toi, là, c'est comme des montagnes russes. Puis des montagnes russes, ben, ça me donne mal au cœur. Jennifer... Tu m'avais dit que tu y parlerais. Quoi? Ben, ma mère pour l'appartement. Oh, mais oui, c'est juste. Allô? Ah, allô? Je viens encore d'aller marcher, là, pour réfléchir un peu. Est-ce qu'on peut se parler? Ah, parce que mon opinion compte maintenant. Qu'est-ce qui se passe, là? Oh, Marie, j'ai tellement gaffé. Je suis allée visiter l'appart sans Jennifer. C'est ça qui l'amène dans cet état-là? Non. C'est ça. Oh. J'ai signé le bail, puis j'aurais pas dû. Je le voyais bien que l'appart était pas idéal, mais je me disais qu'on finirait par s'habituer. Et là, je le vois qu'elle est bien ici. En même temps, je veux pas que Jennifer pense que je veux pas aller vivre toute seule avec elle. Ben, vous devriez peut-être vous parler parce que vous voulez probablement la même chose. Là, il est trop tard, j'ai signé le bail. Ah. Laisse-moi trouver une gardienne pour Julien, puis on va retourner visiter l'appartement, Jennifer, toi puis moi. Hmm? Change pas de poste, le film est super bon. Il est méga ennuyant. Je suis sûre que tu l'as jamais vu. Tu peux pas dire que c'est méga ennuyant. J'ai jamais mangé de savon, mais je peux te dire que c'est dégueulasse. J'ai jamais... Je l'écoutais chez moi avant que ta mère m'appelle, OK? Merci. Pourquoi les filles, vous aimez juste regarder des films plats? Ma cousine est pareille comme toi. T'as raison. C'est pas un film pour toi. C'est pas un film pour les jeunes. Wow, 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 je suis pas si jeune que ça, là. Si t'es pas capable d'apprécier le film, c'est parce que tu le comprends pas. Et si tu le comprends pas, c'est parce que t'es trop jeune pour l'écouter. C'est plus facile de comprendre si t'arrêtais de parler. Se plate. Ça prouve que t'es trop jeune. J'ai des devoirs à faire. Je réussis à l'école, moi. Mais n'importe qui peut fabriquer une fusée à eau. Je suis pas sûr que ça soit assez geek. Mais c'est pas une fusée à eau ordinaire. C'est une fusée à eau modifiée. Filme, là, tu vas voir. Hey. OK, ça roule. Alors, bonjour les faces de Geeks. Grâce au poids que moi et Francis, on a installé au long de la fusée, on va être capable de diminuer son altitude et de prédire exactement où elle va atterrir. Dans notre cas, ça va être... à peu près... ici! Préparez-vous à avoir le souffle coupé, faces de Geek. Prêt? Oh oui! Prêt, pas prêt? Alors, dans 3... 2, 1... Hein? Ah, c'est parce que le bouchon était mal placé, ouais. C'est son montage. Okay. Prêt pour un autre décollage? Ok, oui. Ok. Ok. 3, 2, 1... Julie-Pierre? La psychologie inversée, ça marche au bout avec les enfants qu'on garde. Oui! On a juste à leur demander le contraire de ce qu'on désire et ils font exactement tout ce qu'on veut. J'ai même fait écouter un film de filles à Julien, puis il est en train de faire ses devoirs. On n'aura plus de misère à garder les petits monstres. OK, je te laisse. Bye! Tu devrais pas grignoter.
Ta mère va revenir bientôt, puis vous allez souper. Ouais, mais j'ai faim. J'oublie que les bébés ont de la misère à résister aux biscuits au chocolat. Si tu veux me prouver que t'es un bébé, continue d'en manger. Moi, je suis obligée de ma famille, donc techniquement, je vais rester bébé toute ma vie. Mon film! Oui, mais là, qui commence? Oh, mais c'est vrai. L'orchestre est trop compliqué pour les filles. Si tu veux, on peut regarder autre chose. Chut! Pas tout. Je comprends. Oublie ça, bassin. C'est fini, les fusées. Bye. Hey, Audrey! Qu'est-ce que tu fais ici? Elle est venue te voir. Pour vrai? Oui. Maman lui a demandé de te garder. Ta mère m'a demandé de garder le petit monstre. Ça te tentait pas d'utiliser ta psychologie inversée pour regarder autre chose? J'ai essayé, mais... Moi aussi, je serais capable de faire la psychologie inversée. T'avais raison. La psychologie inversée, c'est nul. Non, ça, c'est nul. Regarde, c'est le non-lancement de notre fusée. Wow! Hey, c'est trop malade! Hey, c'est le meilleur vidéo de Phil que j'ai vu cette semaine. Bon, moi, j'y vais. T'es pas obligée de partir tout de suite? Julie-Pierre m'attend. Dommage pour ta fusée. Oh, j'aimerais tellement ça connaître un gars capable d'en construire une qui fonctionne. Imagine si ça pouvait voler. Oh, ce serait trop hot. Bye. Bye. Chut. Bye. Bye. Oh, 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 oh. Chut. Eh oui! Chut. Eh ben, c'est... Okay, on va construire une nouvelle fusée. Celle-là va voler. Les filles vont nous donner la lune. Ça. Je pensais jamais que ça se terminerait comme ça. T'aurais pu être moins intransigeante avec le proprio. T'avais pas l'air d'une agente d'immeuble, t'avais l'air de la régie du logement. Je sais pas ce qui m'a pris, je me suis laissée emporter. Elle était capotée pour rien, hein? T'es éternuée deux fois, puis t'as tout de suite accusé le tapis d'être plein de moisissures. Ah, oh, mais pour le garage à côté de l'appart, par contre, j'avais raison. Ça faisait un vacarme incroyable. Pas de là à dire que t'allais attraper une migraine à chaque fois que tu viendrais à nouveau. Hein? Ni d'exiger que le proprio change toutes les fenêtres et refasse l'isolation. Pas étonnant qu'il ait changé d'idée puis qu'il a déchiré le bail. Oh, je suis désolée, les filles. Vous avez perdu votre appart à cause de moi. Oh. Mais pour me faire pardonner, vous pouvez rester ici aussi longtemps que vous voulez. Hein? Ah! Oui, on en a déjà parlé, Alain puis moi, puis ça nous ferait plaisir. Ah ben je veux dire, cool. Merci, c'est vraiment gentil. Un petit verre d'eau, fêtez ça. Hein? Oh! Je trouve ça un peu gros, ce que Marie a fait. Marie-Pichette, bonjour. Mais je suis pas si fâchée que ça. J'aime ça vivre ici. Moi aussi, j'aime ça, ma chouette. Puis si tu veux, on va prendre notre temps avant de déménager. Non, ouais, mais j'ai vraiment une chose pour le prochain appart. Je loue plus rien sans te consulter. Ouais. Mais... Ta tante Marie est vraiment trop chialeuse. On l'amènera plus visiter avec nous. J'ai entendu! Oh. Oh. Pour jouer ou revoir des émissions, rejoins-nous sur le web!